s'asseoir. Tout le monde debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Il s'est gamblé. Jésus est magnan, on est magnan.
Saluer la présence de l'invité qui est le prophète Joël Crasso. Amen. On acclame Jésus pour le prophète Joël Crasso. Alléluia. On acclame plus fort Jésus, plus fort, se tient debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons inviter le propriétaire terrien. Tous ceux qui ont invité le serviteur de Dieu, le prophète Joël Crasso, à s'avancer. Nous allons les inviter à s'avancer. Tous ceux qui ont invité le prophète. Oui. Tapez Abraham, fils du chef des terres, communauté villageoise de Grémian, famille Gaudibois, chef des terres, le patriarche Tabé Nyoura Eli, dépositaire des libations. Grémian le vendredi 27 juin 2015. Au prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier d'Ibo. Renouvellement de l'invitation du prophète à venir dans le village de Grémian comme pour atteindre l'objectif du courrier déposé par l'ancien chef depuis l'année 2014. Très cher prophète, au soir de la vie du patriarche que je suis, l'Éternel Dieu m'a fait grâce d'être né de la famille Gaudibois du village de Grémian, propriétaire terrien et chef des terres. Je suis le plus âgé de la famille Tabé et le dépositaire du pouvoir des libations. L'histoire et la tradition, parce que je suis le patriarche du village de Grémian, sa population et l'orientation de son destin à travers les paroles que je prononce au nom des libations. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a fait grâce parce que j'avoisine désormais les 100 ans ou plus
en âge réel. Ainsi, Monsieur le grand serviteur de Dieu, prophète Joël Crasso, à travers toi, ma toute dernière mission sur terre consiste à confier le destin de ce village de Grémian, ses terres et sa population dont je suis le garant du devenir à Dieu. Faites en sorte, mon prophète, que Jésus-Christ de Nazareth soit désormais le seul qui est créé et qui règne sur mon village Grémian, ses terres, sa population, ses fils et ses filles. Je laisse donc Jésus-Christ de Nazareth en héritage au village de Grémian et pour l'éternité, afin que tous les pactes mystiques contractés en dehors de Jésus se brisent ce jour et libèrent mon peuple dans la prospérité et le bonheur. Mon prophète, venez rétablir l'équilibre social de mon village Grémian, qui doit être placé désormais sous l'autorité de Jésus-Christ. Venez prier et reconstituer la base de l'équilibre perdu que nous voulons sous l'autorité et le tout-puissant nom de Jésus pour une nouvelle alliance avec lui et lui seul. Venez prier pour nous, prophètes, nos terres, l'eau, le vent, moi, ma famille, le chef, M. Grigo Seiko, notre fils que j'ai nommé chef de ce village de Grémian et sa famille, toutes les familles de Grémian et sa population, et prier surtout pour le respect de l'ordre de l'histoire et la tradition dans ce village qui sont des préalables à toute société équilibré qui aspire à la bénédiction, au bonheur, à la prospérité et au développement. Mon prophète, je ne pouvais pas un jour quitter cette terre sans avoir accompli cette ultime mission qui est de délivrer cette terre de Grémian et sa population de la captivité des forces des ténèbres et la placer avec tous ses fils et filles sous le règne éternel de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi devant Dieu et devant les hommes, aujourd'hui, ici même, maintenant, pour toujours, je demande vivement à tous ceux qui n'ont pas d'histoire ou à celui dont l'histoire n'honore pas le passé de l'ancêtre ou ne glorifie pas ni son mérite à Dieu lui-même, ni celui de son père, ni celui de son grand-père ou de son ancêtre. Je lui conseille vivement de ne pas faire une entrave à l'histoire, ni un frein à l'application de la tradition de notre village Grémian, son peuple et ses enfants. J'exhorte donc tout le monde à respecter et à se soumettre à la puissance de nos racines, à nous tous qui sommes l'histoire et la tradition de notre village, dont l'héritage fait de ma famille et moi ce que j'exécute pour ce village dans l'intérêt de tous, pour la bénédiction, la prospérité, le bonheur et le développement de ce village de Grémian et sa population. Je n'exclus personne du village en tant que propriétaire et chef des terres et dépositaire des pouvoirs de libation, puis des nominations des chefs. Alors, je ne demande à personne non plus de s'exclure de lui-même du village Grémian. Merci, la famille Godibois, propriétaire et chef des terres de Grémian. Le patriarche vénéré Tabé Nyeoura Ebi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'était la lettre d'invitation du patriarche
du village de Grémia, adressé au prophète Joël Crasso. Et maintenant, nous allons passer à la libation. Voici le prophète est venu. Il est venu avec un savon pour laver le village. Je le remercie beaucoup ce matin. Le prophète doit être le garant de ce village. Il doit toujours surveiller le village pour que la bénédiction vienne dans ce village, pour que les enfants aient du travail, pour que le bonheur rentre dans ce travail.
je remercie le prophète. Je veux que le prophète surveille mon village chrétien. C'est pour ça qu'il est venu. J'étais chez moi à la maison. Quand on m'a dit que le prophète est arrivé, j'étais content. J'ai commencé à danser parce que j'ai trouvé quelqu'un. J'ai eu quelqu'un qui va vraiment libérer mon village, qui va faire du bien pour mon village, qui va faire du bien à mon village. Ce matin, je bénis, je remercie le prophète et sa délégation, tous ceux qui sont venus assister à cette veillée, même les hommes de Grémien, même ceux qui ne sont pas venus. Donc c'est ainsi que je donne le village au prophète. Je remets le village au prophète pour qu'il fasse son travail. Il est chez lui qu'il fasse son travail en paix. Je vous remercie. Après donc l'explication du chef de terre, en tant que chef du village, je remets les clés symbolique du village au prophète Joël Rasseau, le maréchal de la brigade anti-sorcier, pour qu'il fasse son travail jusqu'au fond. Je vous remercie. Diapanagi, yeah, Diapanagi, Diapanagi, wow.